Eh bien, salut à tous les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4, la démo de créer un Sim. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Alors, je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je pense un petit peu en retard sur la sortie de cette démo. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, elle est sortie sur Origin, gratuitement bien sûr, parce que c'est une démo. Je vais vite vous dire des trucs sur les Sims 4. Donc, l'éditeur c'est Electronic Arts, les développeurs c'est Maxis, le type c'est Gestion Simulation, et la sortie en France le 4 septembre 2014. Donc, je vais peut-être faire une série sur ce jeu, faudrait que je voie si je peux me l'acheter. Donc, là ils ont fait une démo gratuite sur Origin. Mais par contre, elle fait 1,6 giga juste pour faire un sim. Enfin, c'est tellement complet que vous allez voir. Mais voilà. Donc, vous pouvez le trouver moins cher, le précommander moins cher ou l'acheter moins cher chez Instant Gaming, mon partenaire. Il doit y avoir 20-30 euros de différence entre Steam et... Enfin, tous les autres sites et Instant Gaming, donc n'hésitez pas à le prendre. Donc on va tout de suite marquer par exemple notre prénom. Donc j'ai déjà joué, hein, je vous dis direct. Donc regardez, on peut mettre Monsieur Bab déjà au début. Après on peut mettre Homme. Dans la démo, on peut mettre que jeune adulte. Il n'y a pas autre. C'est que dans les Sims 4 que c'est dispo. Après, il y a la démarche. Donc regardez. Il y a la démarche guillerette, prétentieuse, assurée, féminine. Oui. C'est quoi ça? Viril. Après, vous êtes déjanté, lente. Voilà, le gros feignant. Et dynamique. Donc moi je pense que j'ai marqué assuré, ça va bien, assuré, voilà. Après on peut faire des personnages aléatoires en bas, mais moi je vais le faire moi-même. Ici on a le volume de la voix en fait. On peut augmenter ici. Alors je sais pas comment je vais le mettre. Ouais, comme ça. Après, ici, choisissez une aspiration. Donc, moi, j'avais déjà fait sport. Donc, je pense qu'on va faire sport. Alors, je vous dis tout de suite, je vais pas faire un sim qui me ressemble. Parce que... Enfin, ce serait trop dur. Faut que je... Enfin, voilà, je vais en faire un costume, on va dire. Alors, voilà, ça. Vous avez plein de choses, hein. Vous regarderez si vous voulez le télécharger. Télécharger cette démo. Qu'est-ce qu'on va marquer? On a plein de choses. Bon, je vais pas tout vous lire parce que bon, vu tout ce qu'il y a, je vais marquer actif. Sinon, il y avait quoi? Ah, geek. Ah, je note geek. Et je vais marquer. Bienveillant, on va dire. Voilà. Donc là, nos traits, ils sont finis. Donc maintenant, regardez la personnalisation. Voilà, regardez. On va commencer du bas déjà, je pense. Regardez tout ce que vous avez. Des sandales. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais regardez, on peut même choisir la couleur des... La couleur exacte des sandales. Des mocassins. Des chaussons. Des baskets, regardez, des bottes, donc c'est plutôt pour les filles, les bottes, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? On va lui mettre des baskets rouges parce que c'est un sportif. Alors, ça, c'est quoi? Quotidien, ok. Sport, ah non, j'aurais dû mettre sport comme ça, ok. Donc,
Donc on va mettre sport ici. Ah oui, on peut lui faire une tenue de sport en fait. Ok. Je ne me rappelais plus. Donc on peut mettre des chaussettes, regardez, des bagues, des bracelets. Donc on va lui mettre des chaussettes blanches. En bas. En bas, en bas. Donc ouais, je vais faire une série dessus, je pense. Je vais essayer de me le procurer. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre, ça? Ouais, short noir. Pantalon. Ouais, ça aurait été mieux pantalon, mais non. Corps entier. Costume. Ouais, je pense que ça ira bien, ça. Prendre une autre couleur, parce que j'aime pas trop. Après, je voulais le mettre sur sur un truc pour partager les signes. Vous verrez, je vais vous montrer après. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a plein de choses, je vais pas pouvoir tout vous montrer, tout l'habiller, parce qu'il y en a tellement. Et là, on peut changer la couleur de peau. Ouais, elle était bien comme ça. Regardez, si on veut l'agrandir, c'est vous appuyez sur votre clic gauche de la souris. Et regardez, ça bouge, c'est vraiment énorme. Regardez, on peut faire des bras plus petits. Ça, on peut les agrandir, les rétrécir. Regardez, on peut agrandir les pieds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la tête, par contre. Regardez, on peut tout changer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses dans le jeu qui seront peut-être à débloquer ou autre. Parce que Jax, là, c'est énorme, c'est déjà bien complet. Il y aura peut-être des autres, je pense. Alors, couleur du visage, coiffure. Coiffure. Après, ça dépend, hein. Si on prend une fille, ce sera pas les mêmes coiffures. Donc, il y a vraiment beaucoup de coiffures. Et pourquoi il veut pas la changer, en fait? Ah, si. Barbe. Ah oui, non, on va pas lui mettre ça. Non plus. Ouais, peut-être comme ça. Par contre, je vais lui mettre noir. Non, peut-être pas noir, en fait. Marron. Ouais, marron. Ouais, marron. Marron comme ça. Donc regardez, on peut mettre même la nuit et tout, donc ce sera pas pareil. Chapeau, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Alors si je fais une série dessus, je vous créerai le personnage avec vous et tout. On va lui mettre une casquette. Regardez, on peut même faire un autre sim aussi. Hein. On peut mettre une femme, une grand-mère, ce que vous voulez. Enfin, non, là, dans les Sims, on peut pas choisir, comme je vous ai dit au début, tout, mais après, on pourra tout choisir, mettre des enfants et tout. Je sens que ce jeu, je vais passer des années dessus. Enfin, des années. Non, des heures dessus, on va dire. Alors. Et il y a même les cils. Après au Sims 3 je vais pas trop jouer donc je peux pas vous dire s'il y a une différence mais je sais que étirer les trucs comme ça on pouvait pas dans les Sims 3. Enfin d'après ce que je me rappelle. Hein. Dites-moi si je dis des conneries mais je pense pas. Par contre non. Je vais peut-être pas en mettre. Par contre ses yeux ils sont pas super. Ses yeux. Oups. Oula. Oula, non, je voulais mettre ça, moi. Ouais, ok. Oula, non. Ah oui, en fait, c'est des petits détails de la peau. Okay. Modification détails. Regardez, on peut lui tourner, on peut lui agrandir les oreilles et tout. C'est énorme, hein, je vous le dis. Là, on va augmenter comme ça. Je voulais changer, par contre, la couleur des cheveux. Voilà, comme ça. Ouais, mais non, ça fait trop foncé.
Voilà. Bon, bah, je pense que... Alors, attendez. Voilà, on va revenir... Ah bah non, il a changé. C'est quoi ce truc? Il a changé, j'ai dit de le mettre comme ça, moi. Pourquoi ça a changé? Je sais pas. On va le mettre comme ça. Non, par contre, le t-shirt... Mettre en orange, voilà. Donc, je pense qu'on a tout fait. Regardez, on peut même rétrécir les jambes. C'est vraiment top. Après, vous cliquez sauvegarder le foyer. Je vais vous montrer. Alors là, on va marquer... ouais, Monsieur Bab. Monsieur Bab, démo. Voilà. Bon, il me ressemble pas vraiment, hein, je vous dis direct. Mais bon, on va marquer Monsieur Bob. Ouais, donc on peut le partager sur Facebook ou là dans partager le foyer dans la galerie. Donc regardez, je le partage. Voilà, vous avez partagé truc, truc. Donc je vais vous montrer les. Regardez, c'est F4 ou cliquez là. En haut. Et regardez, là, il y a l'autre jour, j'ai fait un sim. Ils étaient 11 000 à créer des sims. Là, ils sont 3798 joueurs en ligne actuellement. Donc, quand même, 3000 joueurs pour juste créer un sim, c'est énorme, je pense. Foyer dans la galerie, regardez, 737 000. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ah oui, voilà. J'avais créé ceux-là, en fait. La dernière fois. Je vous ai pas montré. C'était il y a quelques jours. J'avais créé... j'avais voulu faire un policier, mais bon. Pas super. Alors, je vais vous montrer... Oula. Regardez les gens ce qu'ils se sont amusés à faire. On va regarder un petit peu. Alors... Ah ouais. Regardez les gens ce qu'ils se sont amusés à faire quand même. Non mais regardez. Pas... Se calmer. Bon. Je marquais Monsieur Bab Démo. On va voir si ça me l'affiche. Voilà, regardez. On trouve, vous marquez Monsieur Bab. Alors mon compte origine, si vous voulez m'ajouter, c'est Baptiste le Noob parce que j'avais déjà plein de comptes. Et je me souvenais plus du mot de passe et tout. Donc... J'en ai recréé un et je me suis dit, pof, ça. Et regardez, voilà. Donc là, il est pas en habit de sport qu'on avait créé, mais voilà. Donc, je le répète, il y a chez Instant Gaming, vous avez, on va lui mettre un costard. Vous avez plein de réducs sur ce jeu. Donc, n'hésitez pas à y aller. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Regardez, on peut lui mettre des montres. On peut changer la couleur des montres. C'est vraiment top. Donc voilà, bah moi je vais vous dire à la prochaine. Je pense que j'ai tout dit. On se retrouvera peut-être quelques jours après sa sortie, donc vers on va dire le 10 septembre sur ce jeu si j'ai envie de faire une série dessus. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Bab. Ciao tout le monde!